Image. Vite, super vite! Victus! Bah, on peut faire l'intro maintenant, au moins c'est fait, et après on discute de ce qu'on fait, D'accord, comme grande ça au moins les image. gens ils ont le programme et toi tu peux mettre le titre à jour. Ok, T'as qu'à bon, c'est faire un l'intro jingle et l'outro en même 18h. temps? Jingle Ta ta 18h, ta la ta, ta 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 la ta. RTL, bonjour, il est 18h, voici les titres des informations. Je sais pas Juste les comment titres. rebondir à ça. Ben, en faisant boing boing. Ah, ok, boing 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 boing. C'est pas mal? Voilà. Ok, Ça rebondit bon. vite, hein, mais. Eh bien, bonsoir On n'est pas tous tout aussi le rapides, hein. monde. Mais Je parle à la course à pied, bien sûr. bon, on peut lancer. Sinon, tu sais que c'est dur de commenter une course d'athlétisme avec Benoît XVI, François Ier, Charles IX. Bon, vas-y, lance ton tour. De quoi tu parles? Je pourris ton intro. D'accord. Je prouve aussi. Hein. Moi, après, tu sais, je peux lancer comme ça, on est parti, et puis voilà. Alors, nous sommes avec Imagiro et Loulou. Bonjour. 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 Et moi, je sens le pâté. Oui. D'accord. Eh bien, il y Non, a Jacques non, qui apparemment est tu très sens le dissident thé. ce soir. Voilà. Tu sens le thé à la fraise et à la vanille. C'est vrai, je sens le thé à la fraise et à la vanille. Bon, re-bienvenue pour Dofus, on va continuer. Le programme, on Bonsoir. va le donner bientôt. Premier lieu, oui, on a des récompenses, donc les 4 alignements qui se débloquent bizarrement à la... Oh, bah, petit niveau là. Oh, j'ai une troisième invoque. Trop bien. Bref. On a Donc, bien avancé sur ce stream, putain, oui, on a déjà pris un niveau et tout, alors qu'on est connecté. Vraiment balèze. Et on parlait à l'index pour valider le donjon de la dernière fois. Et on a le choix aujourd'hui entre le Chinlarve, le Blob Renate Royal. Mais apparemment, avant, tu voudrais qu'on fasse la quête de spécialisation. C'est C'est ça? ça. Eh bien voilà, aujourd'hui, on peut dire spécialisation et donjon. Oui. Allez. Donc pour la spécialisation, il faut retourner à mayonnaise. Non, c'est une Oh. blague. C'est pas une blague. C'est bon, t'as des potions de pantalon. Ouais. Non, c'est pas à My Hero qu'il faut lancer la quête. Ah merde. Ah. Mais c'est quand même à bon temps. Oh. Allez, go. Donc vous venez en moins 34, moins 57. Atelier des... Tour des ordres. Boum. Atelier de la Tour des Ordres. Atelier de la tourette. J'ai eu la flemme de faire deux cases, quoi. Et j'étais pas le seul. Je sais pas de quoi tu parles. Hé, ma baguette! C'est Larry Poller. Ah ben, on n'est pas les seuls! Bah écoutez, moi j'ai suivi ce qui a été dit. Hein. J'ai Alors, entendu il y a. qu'il fallait aller là, donc bon. Il y a trois spécialisations au choix. Soit l'ordre du cœur vaillant, soit l'ordre de l'œil attentif, soit l'ordre de l'esprit salvateur. Ok. Faites vos jeux. On est obligé? Avant, ces choix avaient des conséquences sur les combats PVP, c'est ça, Eric? Oui. Maintenant, ça n'a plus vraiment. C'est juste pour le Maintenant, ça nous met cosmétique, sur je des pense. serveurs différents. Maintenant, ça offre juste des quêtes différentes, en fait. D'accord. Oh, chiant. Bah, c'est pour ça qu'on va choisir tous les quatre la même, Alors, comme ça on est mieux. je sais pas si ça vaut le coup de prendre tous les quatre la même, Ah! parce qu'il y a certaines quêtes qui vont demander l'aide de d'une personne des autres ordres. Ah, ok. Aken? Oui, Draken, qu'on a besoin de lui. Attends, attends, donc il y a combien d'ordres, t'as dit? Il y en a Trois. il y a trois ordres et on est quatre. Donc Ok. il y en a deux qui auront le même ordre. Plus. Eh bien, je Entre vous. pense, j'ai bien dit je pense, que ce serait bien que Jake et toi, vous preniez le même. D'accord. Comme ça, au moins, bah, ça sera plus facile pour le guider pour faire ce genre de quête. Ouais. Alors, Et du coup, Thomas et j'ai. moi, on va se débrouiller. En termes de lore et d'histoire, Oui. quelle est l'influence de ces ordres?
Alors, Bonta a été construite par trois gardiens de mois, de l'année. Ok. Il y a Ménalt, qui est... J'ai de la bière. Attends, j'ai pas de... hop, c'est là. Que je retrouve le truc. Non, c'est pas là. C'est un labyrinthe, cette tour. C'est un peu le bordel, ouais. Donc, Ménalt, qui est un guerrier centaure, qui est le protecteur du mois de mars. Il y a Sylvos, qui est un héros humain, maître des boutures et protecteur du mois de février. Mmh. Et il y a Jiva la sage, qui est protectrice du mois de janvier. Janvier, février, mars. Ouais. Et les autres mois, on s'en bat les steaks. Non, ils existent. Si, si, les autres mois, ils existent. Ils ont d'autres protecteurs, mais ils n'ont pas aidé à la construction de la ville de Bonta. Ah, ok, d'accord. Voyons, Ankama réfléchit à tout. Ils ont tout ce qu'il faut, sauf pour la saison 3 de Wakfu, évidemment. Qui est quoi ? Donc, voilà. En gros, il y a un ordre pour les chevaliers, un ordre pour les espions et un ordre plus pour les intello. Ah, je suis voilà. Donc le cul entre deux chaises. Concierge de la tour, je veux ton ordre. Attention Thomas, en fonction du PNJ avec qui tu parles, c'est ouais. Un ordre différent. Non mais je sais, mais là je parle au concierge de la tour. Ah bah il va te filer l'ordre, tu vas avoir des poubelleurs. Hein. Ça se dit pas, et c'est fait exprès. Seuls les membres d'un ordre qui ont atteint le rang le plus élevé peuvent emprunter cet escalier. Aïe. Ouais. Bon, ben. Donc, qui veut quel ordre ? Ben, Jake, on te laisse le choix. Ben, le truc, c'est que là, je sais pas trop. Ce serait soit les chevaliers, soit les intellos. L'autre, non, pas vraiment. Les espions ? Ouais, non, pas trop espions. Non. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais tu devrais faire un random.org. Non, tu peux répéter les ordres, s'il te plaît ? L'ordre du cœur vaillant pour les chevaliers, l'ordre de l'œil attentif pour les espions et l'ordre de l'esprit salvateur pour les intellos. Œil attentif. Ok. Bon, Thomas prend l'œil attentif. Il reste les chevaliers ou les intellos. On n'a jamais vu un espion aussi pas discret. Ben, la pièce a décidé que c'était face, donc un tel haut. Ok, ben, je prends le cas. Allez. Alors, faut aller donc, où Eric, toi tu vas. Yaki. Premier étage à droite. Putain, je suis à gauche. J'en peux plus. Thomas, tu vas. Au sous-sol. C'était sûr. Les espions, c'est au sous-sol. Et nous, Jake, on va normalement au deuxième étage à gauche. Deuxième étage à gauche. Non, moi, mon mec, c'est Gérine Golin. Non, j'ai rigolé. À moi, c'est le fourbe. Enfin, c'est ébru. Ah oui, c'est ça, cœur vaillant, c'est bon. Ok. C'est parti. Viens, viens Jake. Ah. Allez voir Tabache, le greffier. Tu parles à Elviana Thierry, parce que... Attends, Spirit. C'est Minas Spirit. C'est Minas Spirit. Anévle. Ça veut rien dire. Spirit, Amina, Anévle. Étalon. Je vais ouvrir le dernier Internet. Mot, c'est Spirit, mais... C'est pas un anagramme de étalon. Donc tu fais rejoindre l'ordre de l'esprit salvateur. Ah ok, j'allais lire mais... Oh putain, elle parle de mayonnaise, ok je rejoins. Maïra. Ceci dit le livre. Alors, ceci est un dictionnaire. C'est parti pour faire ma quête. Bonne chance dans vos quêtes respectives. Ah bah la lumière, bah parfait. En duin. Bon, non, Jake, il faut aller à la taverne à la carte.
Bien. Je suis la carte, je suis la tour. Ça va droit. Tu sais que c'était quand? C'était avant-hier matin. Après que je regardais les infos, j'ai changé de chaîne et je suis tombé sur T'es fou. Et donc un vieil épisode de Dora l'exploratrice, et je sais pas pourquoi, mais je l'ai regardé en entier. Et je me suis dit, mais t'as perdu ils nous prennent vraiment pour des teubés en fait sur ce animé. Enfin, ils te laissent 5 secondes en mode, et toi, tu vois la niche des chiens, machin chose. Et là, pendant 5 secondes, ils te regardent avec un regard de psychopathe, ouais. Et c'est très, je vais pas dire le mot parce que t'aimes pas ça, mais c'est très le mal à l'aise. Tu sais que c'est pas pour les gens de ton âge. Oui, mais écoute, j'étais pas réveillé. Bon, Jake, tu viens? Oui, t'as dit qu'il fallait sortir, c'est ça? Tu prends le zappy et tu vas à la taverne à la carte. Sortir ici. Non, je me suis pas perdu dans la tour, c'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce que map par étage? À taverne. À putain, il faut retourner dans cette tour. Oh, faut que j'aille voir le roi. Pour le roi. Le roi Beldarion. Tu parles à Ibol. Ah là, un chachar. Un chachar. Quoi? Un chachar. Mais non, un chachar. Mais pourquoi? Un petit char. Complètement taré. Oh putain. Allez voir le roi. Ah, ben on va se faire un petit coucou là. Tout le monde va aller voir le roi en fait. Oui. Ok. Bonsoir. Grosse moustache. Enfin, c'est une barba, je sais pas. C'est un combiné barbe-stache. Barbe-stache. Une bâche. Alors, le roi se situe à côté de l'atelier des. À gauche de l'atelier des bijoutiers. Voilà. Puis on retourne à l'ordre et puis c'est bon. Quoi, t'es déjà au roi? Bah oui. Est-ce qu'on vit tous les jours? Salut. Je t'ai croisé. Salut. Salut. Je croise tout le monde sauf Guillaume. C'est un danger. Si, il va arriver. Ah, il est là. Coucou. Oui, c'est le roi de Monta. Beldarion, oui. D'accord. On va débloquer un super ornement. Ouh. Et je suis content d'avoir le cœur, hein, parce que putain, l'œil, je le trouve dégueulasse. J'ai rien dit pour pas influencer, mais je suis content au final. Pourquoi est-ce qu'il a deux barbes? Oui, tu peux le désactiver, mais moi je vais mettre le mien, je le trouve joli. Et alors les autres, ils ont un cerveau? Quoi? Quoi? Ah, pour c'est les autres. C'est qui a l'œil? C'est moi? Oui. Moi les j'ai le cœur et. Cerveau, non, ils ont un livre. Oui. Oh. Ça demande une attestation. Oui. Non, il te donne l'attestation et il faut que tu la ramènes à la tour des ormes. Et fais gaffe de pas aller cambrioler quelque chose et de bien cacher ta ton attestation. Ah, j'ai lu cet article, j'ai rigolé quoi. Quelle bande. Les deux voleurs, du coup, ouais, deux cambrioleurs, ils vont, je sais plus dans quelle boutique. Et ils paniquent et en fait ils laissent leur attestation de déplacement remplie avec leur identité, leur adresse là sur le lieu du délit. Voilà. Bah il est où mon... Ah mais ça s'est pas débloqué le succès peut-être. 4 déconnectés et te reconnecter. Non je vais pas faire ça. Faudra juste le mettre la prochaine fois. Oh, espèce de sale petit. Voilà. Eh bien, bravo. C'était la quête de spécialisation. Allez, on va faire un donjon. Donc maintenant, on reclique ce personnage et on quitte l'ordre, c'est ça?
Non. T'imagines le bordel, genre, maintenant je vais tout quitter. Attendez, je vais vérifier un truc avant. Ah ben va vérifier un truc avant. D'accord. Y a quelqu'un qui s'est imité Stéphane Bern pour commenter le décor et le tapis rouge ? Comme vous le voyez, l'architecture de ce château date du 14e siècle. Mais je ne sais pas l'imiter. Mais voici au cœur du château. Mais c'est surtout qu'il a un vocabulaire pour ben, tous les vrais mots, quoi. Mais... Revenez voir le roi Berdarion. Non, le roi, le roi. Le roi, voilà. Venir voir le roi. Ok. Eric, il va être content. Ah, je vais avoir mon ornement. Je suis allé au Zap, mais quel connard. Moi, je le trouve joli, celui du cœur. Le cœur vaillant. C'est chez qui qu'on entend les oiseaux ? C'est chez moi. Ils sont venus, j'ai pas trop crié aujourd'hui, donc ils ont dit c'est bon, le taré, il est sympa. Attends, non, dans deux minutes, il y a des oiseaux. Qui... Ah, parfois, on a des oiseaux. J'ai prêté allégeance. Ah, il y a des travaux aussi. Putain, à 18h, les mecs, arrêtez, c'est bon. Ça fait au moins une heure que vous auriez dû arrêter. Oula! Attends, mais on peut tous les mettre? Non. Et non, justement, il y en a trois qui ne peuvent pas. Tu débloques que celui que de ton ordre. Excusez-moi, vous êtes pénible, il y avait 6 icônes. Je sais que c'est oui. te débloque les 6, mais tu obtiens. Pourquoi il y en a 3 bleus et 3 rouges? Parce qu'il y a 3 ordres bontariens et 3 ordres brakmariens. Le succès permet de débloquer tous les ornements, quel que soit ton ordre, mais après, toi tu peux afficher que celui. Okay. Que celui de ton ordre. Pourquoi il y a 2 couleurs différentes pour un total de 2 fois 3? On va poser sous toutes les coutures, hein, la question. C'est un ornement, donc c'est juste un truc cosmétique. Oui, regarde mon personnage, maintenant il y a des jolies ailes blanches. Je sais pas le dire, d'accord. Des jolies ailes blanches avec un petit cœur dessus. Et toi, t'as un livre. Oui, regarde. Un œil. Passe ta souris sur mon personnage. Le curseur. Oui, ton curseur. Ouais. Et ben voilà, tu vois mon ornement avec des petites ailes blanches et un cœur. Elles sont où tes ailes blanches et ton cœur ? Bon, tu me fatigues. Louis, oui. Quand je passe mon curseur dessus, j'ai des ailes, mais est-ce que ça veut dire que c'est le mode PVP non. est activé ? Non, non, non. C'est pas les mêmes. Hein. C'est l'ornement. Et c'est normal que j'ai une petite épée au-dessus de ma tête ? Oui. Oui, parce que t'es... Okay. Attends, une épée ? Oui, c'est comme ça, c'est l'épée et l'œil. Au-dessus. Ah. Comme vous, j'imagine que c'est l'épée et le livre. Attends, je vais regarder. Titre ornement. Afficher les ornements non possédés. Ah, d'accord. Okay. Esprit salvateur, oui, t'as quand même l'épée. Ok. Voilà. Bon. J'accepte d'aller au clos des blobs et nous allons taper le blob Renette. Blob. Blob, 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 blob. Ah, ça fait pas une semaine. Ah si. Ah bon? C'est bon, on peut utiliser le trousseau. Okay. Ouais, j'aime bien faire peur aux gens, genre, eh non. Alors que oui. Je crois que Guillaume est sorti de la... Ah non, il est là. Non, non, il est là. Non, je peux sortir si je veux. Allez, c'est parti. Et c'est le rythme de la nuit. La nuit. Oh oui. Est-ce que vous avez bientôt votre équipement ? Oui. Bien sûr qu'on a nos équipements. D'accord. Vous avez remis votre cac suite à... C'est pour ça que j'ai demandé. Oui. On va supposer que oui. C'est bien le supposer. Yah. Quel et niveau quoi prochain sort. Je n'ai pas la musique du jeu. Moi je l'ai. Niveau 75, j'aurai tourbillon. Oui, dans les donjons, il y a des bugs, la musique elle se coupe des fois.
D'accord. Fait-on les challenges? Est-ce qu'on peut aller vite? Non, on fait pas les challenges. Parce que plus on va vite, plus on aura de chance de faire d'autres donjons. Et oui. Tel que le chine larve. Chouette. Sur lequel on risque de rouler dessus. Et niveau 40, non? 20? 50, 50. 50. 20, non, peut-être pas, je suis con. Je pense qu'on va lui rouler dessus. Blap. Bah, la seule difficulté, c'est qu'il enlève des PA après ça. Oui, bon. Oh, je vais tellement me faire plaisir sur le Renette, moi. Oh, je suis tellement heureux, genre. Paf! Crevez tous maintenant! Pif, paf! Allez! Et bim! Ah là là. Blau. Cuvi, petit cuvi, les petits oiseaux. Et encore, il n'y a pas l'oiseau chelou. D'habitude. L'oiseau chelou. Ah, mais sans déconner. Genre, plus tard dans la soirée, t'en as un qui fait un bruit assez chelou, je trouve. Non, il fait pas ça. Je saurais même pas quel bruit il fait. Enfin, bref. Non plus, ça non plus. Ça non. Non plus. Bon, bah écoute. Hein. Oui! La carotte! La carotte! Merde! Eh, hey, moi 100 PM! Non, mais c'est juste que j'essayais de faire un truc et j'y suis pas arrivé parce que j'ai fait Camille avant. Merde, mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors, les ennemis s'en veulent. Merde, je me suis trompé de sort. L'une, un, c'était mon chat. Désolé. Deux, on fait pas de mal aux animaux. Dit-il en ayant buté tous mes bouffes, tous mes tofus. Ah, mais il a des résistances, ce bâtard. Ah ben, ouais. C'est quoi ton nouveau sort? C'est apostasie. Oui, mais ça je fait pas quoi ça. Ça fait ça quoi tape, ça tape feu et ça rapproche de la cible. D'accord. C'est en ligne droite, pareil. C'est en état pleutre. En état quoi? Pleutre. Non. En état quoi? Non. En étagère. Ah, non, en état... Putain. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Alors, où est-ce qu'on est? Je suis où? Je suis là. Va avec Eric, hein. Tout en bas, là. Ah oh non, je veux pas. Ok. C'est une blague. Ah mais... C'est une blague, évidemment. Putain, il est sérieux, lui? Oui. Pourquoi? Tu l'as vu, le bad news confinement, oh, là? Putain, oui. Ah, j'ai pas vu le confinement. Comment ça, confinement? Bah, une fois tous les deux jours, il publie... Oui, d'accord, mais... c'est la dernière, c'est pas une bad news confinement, c'est une bad news normale. Bah non, c'est une bad news confinement. C'est il y en une a bad eu news aujourd'hui qui... Mais il avait dit que c'était le jeudi. Et le samedi, ouais. Non, mais... Ah ouais, il y en a un. Coronas. Ouais. Mais il y a un mec qui se fait tellement chier pendant le confinement qu'il colorie ses mangas. Oh, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je voulais faire ça quand j'étais petit.
Faut vraiment avoir beaucoup de temps à perdre. Bah, pas forcément du temps à perdre, c'est surtout qu'il faut faire super gaffe parce que le papier et tout. Faut pas le faire au feutre, quoi. Oui, bon, déjà ça, mais. Mais même, tu peux tellement l'abîmer, généralement, le papier à manga, c'est super fin, c'est... Ah, c'est fin. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est la meilleure des idées qu'il ait eues, mais... Écoute, oh non. Oh non. Il me manque un PM. Merci. Blau. Yeah. J'ai le plaisir de vous dire que c'est le dernier Donjon Blob qu'on va faire pendant un bon moment. C'est pas trop pire. Je sais qu'il faudra revenir, mais pas mal. Oui, pour le multicolore royal. Ouais. C'est les bleus qu'il faut taper, ça. Avec pas de résistance, ce serait mieux. C'est le 20 retrait PM. Dion. Ouf. Ouf. L'os d'amagence de la Sloucesse là. Hey, tu joues sur quel serveur, Chaussette? On joue sur Ilizael. Chaussette. Chaussette. Au moine. Chaussette au moine. Je sais pas. Oui. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Qui c'est qui m'a filé 20 PO, là? 20 PO? Ah, c'est parce qu'il m'en avait retiré, peut-être. Ah, je suis con, mon sieur. J'espère qu'il a pas dit trop tard, parce que... Je vois pas quand est-ce que j'ai reçu le message sur ma fenêtre de chat, de stream. Est-ce qu'on peut le voir, ça? Afficher le rodatage. Ouais, impec. Ah, mais c'est par rapport à la minute de stream. Ah non, c'est juste que c'est en... comment ça s'appelle? Quand c'est pas le format 24 heures, le format 12 heures. J'imagine. Y a quelqu'un? Oui, oui, oui. Pourquoi vous me répondez pas? Je comprends pas ta question. Je croyais que tu faisais l'horloge parlante et je te laissais dire l'heure. Putain, mais j'en peux plus de vous. Au troisième top. Ah putain, vous me fatiguez. Blau. Ah putain. Bla 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 bla. Pouf. On a gagné. Allez, les gloutons pourris, quoi. Pourquoi vous avez fait le tour? Au début, j'avais pas vu le groupe et après, voilà. Les mecs, ils font le tour maintenant. Ils voyagent dans le donjon. Ouais. C'est Timothée James et T-Wayne. Bravo les types. Timothée. C'est non. Te mets pas là. Bon, là, on est pas trop mal, là. Ah, ah ben voilà, un en moins, déjà. Ça, c'est fait. Thomas est en train de tirer la gueule. Il a fait, mon monstre. Et c'est le petit colin. Oui, oui.
Bruxelles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu te fais une petite pause. J'ai pas un sort qui s'appelle Apathy. Jean-Michel. C'est Jean-Michel Apathy. Vous êtes vraiment pas drôle aujourd'hui, oh là là. Je cherche. Pourquoi je cherche? Mais il cherche son sort. Ah. Mais vous êtes quand même pas drôle, hein. Vous savez qui prépare des blagues aujourd'hui ou pas? Bah, je prépare rien, c'est pas moi qui les écris. T'avais dit la dernière fois que t'en avais pas. Donc moi, j'ai supposé que c'est toi qui les faisais, j'étais super content. Les premières, oui, après, non. Bah, bravo. J'ai une boîte à carambar, pas loin. C'est vrai? Bah oui. Ah bon? Ben, la bonbonnière. Ah, je savais pas qu'il y avait des carambars dedans. Oula. Oula, oula. Ouais, danger, danger, stranger danger. Le petit Titouan est rappelé à l'accueil. Mmh. Quoi? Petit Titouan. Mmh. Mmh. Mais ça vient à peine d'être mon tour, là, en fait. Mais j'ai pas dit que tu t'appelais Titouan. Ouais, je sais rien, moi. Je sais comment tu t'appelles. Ah, parce que, ouais, d'accord. Parce que la première partie aurait pu faire penser à mais non. Oui. Désolé. Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, mais non. Hein. Blip, blip. Il a pas beaucoup de PM. Donc on va le laisser là. Avant qu'il s'approche l'autre. Ouf. Bah quand même, j'ai vu où il était. Ah, c'est bien les gens qui tapent sur je ne sais quoi. À 18h33. Mm-hmm. Vous pouvez pas le faire le matin. Au lieu d'embêter les gens. Aïe, aïe, aïe. Elle a tout son recto. Non, mais il joue pas du tout depuis. Et je peux rien faire, qu'est-ce que je te dise. J'ai comme plein milieu. Mais je me bouge à chaque fois. Ah oui, mais là, t'étais au milieu. C'est pas grave. T'es tofu le tu crois? Là, je sais pas. Ben non, parce que déjà, il y en a un qui est bloqué. Ah merde. Les yandres, elles sont vraiment teubées, quoi. Voilà, merci. Il bouffe son pote, quoi. Chouette, je vais pouvoir jouer. Non, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Allez, avant-dernière salle. Pouf. Non, reste pas là, Jake. Bon, ça va, t'as eu de la c'était chance. C'était une mauvaise idée. T'as eu de la chance. C'était une mauvaise idée. Tu l'as envoyé en pâture là, non? C'est bien ce que je pensais. Hein. J'ai pris un vent. De toute façon, il allait se faire bouffer par là. J'ai pris un vent. Ça fait zouche. Non, ça fait. Tu le fais vachement bien, André. C'est toi, Jean-Michel Bruitage? J'ai sûrement refilé le coronavirus au micro au passage. Mais... Oh mon dieu! Et bim, coronavirus aide! C'est Queen. C'est ça mon nouveau sort. D'accord. Waouh! Jack, je te conseille de courir. Voilà. Maintenant qu'il va mourir, ouais, c'est sympa. T'es. Quel enfoiré, parce que l'opinion, il va pas rester là. Ah, il a une petite chance. Je sais pas trop. Courez. Ouf. Ouf. On a encore eu de la chance. Ouais. Mais ils vont se bouffer entre eux, là. Enfin, je crois qu'il est parti pour, lui. Alors, moi, j'espère pas trop, parce qu'il y en a un, il risque d'avoir 20 millions de PM, là. Oh, putain. Oui, ça fait beaucoup, 20 millions de PM. Oh non. C'est ma faute. Ouais. On se bouche. Allez. Il y a des gens cordiaux, apparemment. Cordiaux ? Cordiaux. Ouais, cordiaux. Il y a des gens cordiaux dans ma rue, apparemment. Bonjour, bonjour. Les cordiaux jugés flics. Ça ferait une parodie, n'empêche. Oh putain. Bonjour, bonjour. Alors, t'as trouvé moi, je sais pas trop. Et c'est non, la mais... main qui t'a assassiné. Morsion. Merde. Run. Il a même pas bouffé, quoi, putain, mais... Mais ce jeu, il est cassé. Je suis déçu par ce jeu, moi. Je confirme, Thomas, le mec, il dessine les mangas, il dessine super bien sur... Enfin, comment il colorie. Il colorie, ouais. Ouais. Il tente de voir ça. Toi, tu peux pas. Et oui. Bravo. Je suis pris en otage par le stream. On voit une image. Hein. Ouais, mais franchement, faut le faire, quoi. Et avoir l'envie aussi. Qu'on lui donne l'envie. Bah, je sais pas, le dernier stream, c'était Sardou. Ouais. Allumez le jeu. Voilà. Ok. Eh bien, merci de... Que si je me mets là... Qu'est-ce que tu fais, Jake?
Putain, je me casse le cul. je suis pas du tout en face de toi là. Non, il me casse le cul. Ouais. Il n'aime pas de bouffer et toi tu es juste en face. T'es sûr qu'il allait dire ça? Putain, hey, j'ai du mal avec les lignes de vue, sans déconner. C'est là? Ah putain, c'est là-bas. En effet, c'est là. Zouche. Bon, cette fois-ci, il le mange quand même. Aïe, aïe, aïe. Blob. Et c'est le boss. Si le jeu veut bien. Oui, je veux. Allô, il y a plus de monstres. Qui a crash? Ah, c'est parce que je suis pas sur la fenêtre. Ah, ça doit être ça. Il y a du zombie. Attends, mais il est où? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est juste une coïncidence. J'ai juste recliqué sur la fenêtre. Hein. J'espère. Parce que sinon, on a découvert un nouveau bug. Si les gens ne sont pas sur la fenêtre, bah tu quittes pas le jeu. D'accord. Bon, on fait le blob Renet. Le Renet. Yes, j'ai des coups. T'es sérieux? Ouais. Ah putain, oui, il est sérieux en plus. C'est parce que maman a un téléphone. 1700. Putain. Bon, ben voilà, merci de nous avoir suivis. On va dire qu'en 20 minutes t'es là, du coup en 20 minutes on peut réécrire des chansons. 20 minutes t'es gentil toi. Ah non, 1700 c'est pas 20 minutes. C'est une heure et demie. Non. Ah si. Bah en 800 j'ai mis moins de 20 minutes tout à l'heure. Mais pas moi. Attends, je vais voir. 1100 j'ai mis 30 minutes. Donc en 3 quarts d'heure il est là. Hein. Ouais. On fait quoi pendant 3 quarts d'heure? La question, c'est, on est dans un donjon, est-ce que Thomas va pouvoir nous rejoindre après dans le donjon? Ouais. Oui, t'inquiète pas. Grâce au nouveau système, oui, il peut. Nouveau système. Ouais, avant, c'est, ben, quand tu quittais un donjon, il fallait tout refaire. Genre tout. D'accord. Maintenant, tu peux partir quand tu veux, revenir quand tu veux, la salle où t'es parti. Ah ouais? Ouais. Okay. Oui. Genre, si tu crevais au boss, ben tu devais te retaper tout le donjon. D'accord, ok. Ce qui était logique. Ils se sont dit, bon, on avoue que pour les gros donjons, c'est chiant. Donc, on va faire autrement. Aïe, aïe, aïe. Okay. Donc, ouais, alors, grosse j'ai... question, c'est que faisons-nous? Je en profite pour poser des questions du jeu. Vas-y. Sur les caractéristiques du personnage, donc... en ses compagnies, tout ça avec Affleck, j'ai deux points à répartir. Normalement, je les répartis toujours deux par deux, comme d'habitude. Sauf que là, je ne peux plus augmenter ma chance. Parce que c'est 3 par 3. Ah, maintenant c'est 3 par 3. Oui, ça fonctionne par palier. C'est marqué. Attends, c'est écrit. Pour et un je... point, 3 points. Clique sur la flèche en rond pour réinitialiser les caractéristiques. La flèche en rond pour réinitialiser les caractéristiques. Pour répartir, il te reste deux, c'est ça? Oui, oui, oui. À côté, t'as une flèche. Ah oui, pardon, excuse-moi, oui. Clique dessus. Tu fais OK. J'entends plus les oiseaux que lui. 330. OK. Voilà. Donc là, tu cliques sur chance. Oui. Plus. Oui, oui. Et donc, un t'as... en bas, enfin au milieu, t'écris un point égale un de chance. Ouais, ouais. Et à droite, t'as un point d'interrogation. Mets la souris dessus. Ah. Ouh, okay. J'ai froid. Ok. Donc nous, on va mettre... on va monter jusqu'à 300. Et après, tout le reste, on le mettra en vitalité. Jusqu'à 300, c'est-à-dire? Bah 300 points de chance. Ah mais j'étais déjà à 580 tout à l'heure. Grâce à la panneau. Non mais avec les équipements en plus. Ah. De là base. C'est 300 sans les équipements. Ah sans les équipements, donc c'est ce que t'appelles la base, alors, c'est ça? Oui. Naturel plus additionnel, d'accord, ok, j'augmente encore. Alors.
Non, naturel, naturel, c'est les 330, c'est les 330 que tu as. Additionnel, c'est les parchemins de caractéristiques. T'as des parchemins qui te rajoutent des points, en fait. Ok. Il faut acheter ces parchemins qui coûtent plus ou moins cher. Après, tu as les équipements. Et après, tu as des bonus temporaires comme des bonbons, des trucs comme ça. Ok, donc là, du coup, donc je reviens à ce que j'étais tout à l'heure. Donc là, en base, donc naturel, je suis à 208. Ok. Voilà, et en additionnel, je suis à 0. Oui, c'est normal, parce que tu n'as utilisé aucun parchemin. Mm. Et les parchemins, en fait, si on doit les utiliser, c'est sur un truc, sur un item, sur... Non, tu... T'as un parchemin qui te donne un point de caractéristique, tu double-cliques sur ce parchemin et pof, ça te rajoute un point de chance. Et on peut les trouver n'importe où ? C'est cher, hein ? Ça... enfin, ça s'achète en HDV, mais ceux qui les vendent, ils les échangent contre des... en faisant des quêtes ou des... Ouais, okay. Des trucs comme ça. Et du coup, ouais, donc là, 208, en équipement 359... Vitalité, ben. Ça veut dire ce que ça veut dire. c'est des duos de chants francophones. Vita. Non. Des duos de chants francophones. Vita. Vita. Oh mon dieu. Vita, c'est juste une meuf, c'est pas un duo. Ouais, enfin, elle a jamais rien fait toute seule, hein. Ou alors, on en a jamais entendu parler. Toute seule ? Oui, oui, elle a sorti un album. D'accord, ok. Ça a fait succès ? Oui. Ah, oui. Dans son quartier, oui. Dans son quartier. Auprès de la famille. 2007, à fleur de toit. Juste après le phénomène avec Diams, là. Ah, ça oui. Et quel phénomène ? Elle n'était pas humaine. Arrête. Je suis déçu d'avoir la référence. Je ne l'ai pas. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Non ? Toujours pas ? Non. Faut dire que tu chantes tellement bien. Bah excuse-moi, mais c'est à peu près ressemblant, non ? C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Et après, je sais pas ce qu'il a dit, mais sans savoir qu'il les mène en bateau. D'accord, c'est un enfant de 5 ans qui a écrit ça ? Non. Mmh. Ah si, oui. Mais c'est pas Stromae, c'est l'autre. Non, mais j'avais compris que c'était pas Stromae, quand même. Okay. Un peu plus est. Ah oui, c'est vrai que pour Stromae, c'est 8 ans, c'était et pour lui, voilà. C'est 5. Le genre de femme du chemin. Mais du coup, c'est qui pour de vrai, cet artiste, entre guillemets ? Maître Jim ? Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ah, ok. Tu sens pas du tout le... Ah, oui. Pour savoir qu'elle est mène en bateau. On pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt, on démarrait. Putain, mais je comprends rien. Mon nom. C'est pas grave. C'est du rap d'aujourd'hui, hein. Pour savoir qu'elle est mène en bateau. Je la vois, quand c'est le soir, j'ai le mille chaises sur laquelle elle s'assoit, ou moins que ça. Non mais ça suffit, arrête. Que rien, juste une pierre sur son chemin. Horrible. Une étoile. Moi, est-ce qu'en attendant, vous voulez faire des petites quêtes Bah, y a pas Thomas. J'ai perdu tout internet en fait, parce que même le stream qui était sur Twitch, il a crash. Ah bon ? Mais Discord, tu l'as où ? Sur mon ordi, mais j'ai du déco-reco. Il arrivait pas à se reconnecter tout seul. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ça fait tic-douc-din. Bon, ben... En attendant, on peut partir sur autre chose de petit. C'est-à-dire ? Et comme disait Louis... Ok. Pour pas avoir un écran figé et pour que pas que Thomas s'emmerde, il peut faire de la pub.
Si vous vous ennuyez, vous avez qu'à chercher des sangliers sauvages dans les champs de Bonta. Alors crois-moi, c'est super simple maintenant. Sanglier agressif. Sanglier agressif. Et vous dites dans le channel recrutement de l'équipe, je vous dévoile la position des sangliers pour 10 000 kamas. Il y en a partout maintenant. Hein. Je suis en train de farmer dans les champs de Cagnan, en ce moment, et il y en a partout. Genre vraiment. Bon. Nouvelle règle. Comment on quitte le donjon sans mourir? Une potion de rappel. Ok. J'en ai. Sûrement. Ou alors tu prends ton. J'espère. Tu peux pas ou ouvrir ton avant ça. Ou une potion de bonta comme tu veux. Alors j'ai des potions de cité, des potions de mini soins. Cité. Non. Ou... Potion de cité. T'as pas de potion de rappel? Non. Non mais t'as dit qu'avre ça que ça peut marcher. Je vais non, c'est dans le donjon. Je sais pas. Ah non, ça marche pas, ça okay. Fait fou, ça fait ouf. Ah! Donc, je vais utiliser une potion de Ponta. Ponta? On fait quoi alors comme petite quête? On peut faire des quêtes à Sufokia. Allez. Ok. Ça va, j'ai je suis Sufokia. Putain! Oh putain! Au secours, vous êtes laide. Ok. C'est où Sufokia? Eh bien, tu prends ton zap vers B de Sufokia. Ah, du coup, je prends un zappy vers un zap. Si tu veux. Si tu veux. Au moins, il y a de la musique. Alors, à Sufokia. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai retrouvé le son du jeu. Waouh. B de Sufokia à Sufokia au rivage de Sufokien. À Sufokia. D'accord. Il en manque un. Adode esta loulou. Je suis au rivage de Sufokien. Mais pourquoi au rivage? T'as dit qu'on allait à Sufokia? Oui. Et pourquoi au rivage alors? Parce que je suis en train de regarder les quêtes qu'on va faire. D'accord. Ben, venez au. Oh, attends, elle se lance où la quête? En 9-27. Alors attends, 9 c'est là-bas. Ok, et 27, si je me trompe pas, c'est là-haut. Non, c'est Sufokia. Putain, merde. C'est bien Sufokia. Sufokia. Alors, reviens là. Oui, c'est Serge Lama. Oui, c'est Serge Lama. Il a pour kiffer Serge Lama. Bon, faut que je sorte du labyrinthe de... Ah, mais non. Il y a un truc, faut que j'aille au quai dégelé, c'est ça? T'as lancé la quête déjà? Mais non, je sais pas, quel quai. 29-27. Cul. S'il faut, j'en ai des quêtes, attends, j'en ai plein. Bon, je pense pas que tu les lances, celle-là. Ah ouais? Ah ouais! Ah ouais! Si tu me dis qu'elle s'appelle Promenade sur les quais. Non. Si tu me dis qu'elle s'appelle Moins on en a, plus on en on l'étale. Non. Fuck. La culture. Comme la confiture. Bon, ok, t'as dit en... 9-27. C'est où cette merde? Faut passer par où pour y aller, ouais, parce que je suis en 9-26-10-26 là et. Ok. Retourne un peu sur la droite et tu pourras descendre. Bon, je vais refaire le tour, voilà, ça m'a saoulé. 11-27. 10. Tu vas au zap, tu vas à gauche, tu descends, gauche, gauche. Et Jake, il est arrivé. Oui, mais moi je suis paumé. Ah, c'est Polochon, mais il ressemble pas à Polochon. Attends, mais. Au rivage ou dans Sufokia? Dans Sufokia. Putain, mais. J'y retourne. Et pourtant, il a dit, hein. Mais je suis paumé dans ce putain de ville de ses morts, là. Eh ben... Elle est nulle.
belle cette ville, mais elle est nulle. Non, moi j'aime bien. À gauche, en bas, à gauche. Oui. Ok. Je vais tenter trois fois à gauche, une fois en bas. Quelle audace. Ouais. Merde, je peux pas. Mais non. Il y avait plein de pio sur ton écran. Putain, je suis un Mustapha là. C'est quoi ce racisme? Mais le mec s'appelle Mustapha, excuse-moi, j'ai lu mon écran. Depuis quand je suis raciste? Oui, bon, j'arrive. Quête de merde en plus. J'en ramenais une pelle de pio. Une pelle de pio. Ouais, c'est genre, t'en tues plein et tu les fous dans une pelle et tu les ramènes. Allez, Polochon. Ah oui, on va t'aider, oui. Putain. Pourquoi toi tu vois plein de pio de toutes les couleurs et moi j'en vois que deux? Parce que t'as dû mettre ne pas afficher tous les monstres d'un groupe. Option, performance. D'accord, ok. Ok, ok. Et c'est la troisième case. Okay. Parfois, il vaut mieux ne pas tous les avoir, hein, crois-moi. Allez, il faut fouiller toutes les barques. C'est vrai? Oui. T'as lancé la quête? Oui. Tu viens, Jake? Oui, je vous ai pas vu partir, mais oui. À droite. Puis après, c'est le bordel. Voilà. Courage. Alors, je vous conseille... allez aux apps Rivage Evoquien, ça ira plus vite. Qu'est-ce que tu fais, Jake? Tu peux pas rentrer dans les maisons des gens comme ça. Hein. Ah, d'accord. C'est des vrais joueurs. C'était des maisons de joueurs, ça, en fait. Quand tu vois que ton curseur devient une maison, ça veut dire que c'est une habitation d'un joueur. D'accord. Parce que généralement, elles sont toutes achetées. Mais c'était pas ouvert. Il y a un mec qui s'appelle Fessiou, pour Sefiou. Et pourquoi Sufokia, c'est... c'est dur à dire. Sufokia. C'est quand même plus facile que la Mairo. Oui, non. C'est plus facile que la nôtre, là. Je suis au rivage. T'as une barque juste à droite. Deux maps à droite. Merde, c'était pas la bonne quête. Ah, c'est les trois points violets roses, là, qui sont affichés. Pour toi, oui, j'imagine. Ok. Pourquoi je me suis fait agresser, moi? Ça agresse. Est-ce que ça agresse, Thomas? Oui. Bon, je vais faire le tour par là. Insupportable, ce jeu. Ouais, les gelées. Oui, je passe par les gelées, voilà. J'ai tellement énervé cette ville que je passe par les gelées. Quoi? Tu t'es fait agresser. Oui, complètement, oui. Ah, toi aussi, t'es rentré en combat. Oui. Je me bats avec Moumoule. C'est ça. Mais du coup, si elle écrit des lettres, est-ce que c'est les lettres de Moumoulin? Oh putain. Ouf, celle-là, elle était violente, en vrai. Voilà. Je sais pas si tout le monde va le comprendre, ça. Oh, quand même, Alphonse Daudet. Ah bah alors là, t'as perdu la moitié de... C'est un hyper grand classique de la littérature française, quand même. Oui, oui. Va dire ça à tous les collégiens qui s'en battent la race. C'est étudié dans certains programmes, donc... quand même. Bah, vas-y, c'est qui ton... C'est pas gentil. Mais purée, mais... Les lettres de mon cours.
ça a rien fait. Eh ben, elles font mal les moules. mes sorts ne font rien. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah, elles ont 100% de résisto. Oh putain. Chacha, t'es pas dans la merde. Non, le chacha est ta peau. Mais chauffeur. Mais non, chacha, c'est pas haut, c'est. Si, ta peau, ton chacha. Oh putain. Chauffeur. Notre débile là. Thomas, il s'éclate. Hein. Chauffeur. Ouais. Pas chauffeur. Putain, elles ont d'avis en plus. Hein. Elles m'ont surprise, on va dire ça. Ah, ok. Aïe. Oh. Et c'est le scotter magique. Il y en a, ils ont des bus magiques, moi j'ai un scotter. Ah. Et c'est Mokhtar qui le conduit. Et le scotter, elle avait volé. Ça aussi, c'est complètement la musique du racisme, hein, soyons honnêtes. Oui. Ah, succès déverrouillé, challenge accepté. Ok. C'est quoi ? Ben, je sais pas. Comment je peux savoir ? Tu cliques dessus ? C'est pas faux. Réussir 100 challenges contre des groupes de niveau supérieur au mien. T'en as fait 100 ? Ben, écoute, j'y peux rien. J'ai pas fait exprès. En plus de le faire, c'était mystique. Mais je suis à 21. Comment t'as fait ? Moi, je sais comment j'ai fait. Avec les... Avec les monstres, ouais. Les monstres des ressources. Ça fait beaucoup. Les cinq monstres des ressources. Oh, y'a du malt. Vite, faut lui voler. Tiens, c'est mon malt. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tu t'en sors, Jake ? Je suis Astrub. Il est mort. Ah, t'es mort, putain. Voilà. Et c'est une quête solo ? Je sais pas. Sur le site, c'est même pas écrit qu'on se fait agresser par des moules, alors. Je l'ai senti passer, là. Essaye de voir si tu peux faire le combat avec. Ouais. Ah putain, mais on se fait... on se fait aggro à chaque fois ? Bah, la première barque, ça allait. Après, la deuxième, par contre... Ah, mais en fait, ça doit être une chance, putain. Oh non. Mais sauf que j'ai relancé un combat, moi. Ah, mais attends, le combat, du coup, on s'en fout. Ah bon ? Quoi ? T'as eu le truc qui a été validé ? Ouais. Eh ben pourquoi pas ? Mais c'est quoi, ce que tu disais comme succès tout à l'heure ? De faire des challenges sur des groupes beaucoup plus élevés que le mien. Je suis à 24. C'est parce que moi je fais des trucs de ressources en fait. Heureusement que je me suis connecté à 15h. Ouais, pour prévoir le coup. Merde, mais c'est pas lui, je suis hors. Ah, comment on fait qu'il s'est. Oui, combat. Putain. Alors, de suite, le chat. Une carotte que je vais mettre ici. Ah, j'ai pas pu rejoindre Jake, putain. C'est vrai, c'est tout seul. Mais si, il y a quelqu'un qui a lancé le groupe juste avant lui, du coup, je pensais que c'était lui en fait, que c'était Jake. Ah. Et le temps qu'il m'exclut de son groupe, Jake il a lancé le combat. Putain. Ouais, écoute, ça va, coup de tofu. Ça se passe très ça bien. Va aussi. Ouais, ça a l'air d'aller, Thomas. 996, je suis. Putain. Ouais. Je sais pas si ouais est le mot, mais. Je suis passé de 1778 à 996, je trouve. Et ça c'est bien, oui. Moi, je. Non, en fait, non, je suis pas du tout impressionné, ça m'énerve. C'est ce putain de file d'attente, je trouve ça débile. Résiste. En fait, t'as des chances de te faire un aggro. Il y en a un là qui vient de passer, il a cliqué sur la barque, il est reparti aussi sec. Mmh. 500. C'est nul.
fait des dégâts, ça, ouais. Ça fait les dommages. Il lui reste un PV, allez, tu l'as. Qui c'est qui écoute la... Là. Je suis mort. La Wii Channel. Je sais pas si c'est Colin, en fait. Je sais pas si mes voisins en face vont pousser de la weed ou pas. Mettre des plantes autour de piquer. J'ai plus les points sur l'écran, donc je suppose que la quête est validée malgré deux morts. Peut-être, oui, en vrai. Je remonte le canal. Oh quête non, c'est la go. Et t'as... Quand tu vas dans ton journal de quête et que tu regardes la quête... Ah putain, il y en a 6 au total. Oui. Ok, du coup, non, il y a, en fait, j'en ai fait que 3, il m'en manque 3 encore. Et je suis con. C'est à chaque fois. Hein. Pa. Je vais manger du pain. Alors, si jamais ça agresse, je suis en 6-23. Attention, je clique. Putain, je comprends pas. Quête mise à jour, ça m'a pas agressé. Ouf! Allez, nice. L'arc suivant. Et combat. Attends, lance pas. Valide. J'attends. T'as combien ? 4, 24. Il me reste 2 barres, comme moi. À chaque fois que je vois ce mot, j'ai envie de rire. Hein. C'est nul. Hein. De quoi, barre ? Les étoiles de la merdasse. Ça me fera toujours rire, putain. Un enfant, quoi. Un enfant. A child. Quoi. A child. No. No. What is worse than a rapist? A child. Boom. A child. No. Pendant ce temps, les moules font des claquettes. Mais oui, elles font clic. J'en ai marre de me faire aggro. Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas. Hey ! Pauvre chat. C'est un chat. C'est à toi, B. Oui, oui. Ah oui, d'accord, oui, en effet, ouais, c'est... Ouais, ok. Alors.
commenter ce que tu fais, Eric. Hein. Ah, je tue des moules. J'ai bientôt fini la quête. Mais j'étais tellement concentré sur mon combat, c'est vrai que j'ai plus rien dit, genre pas un mot. J'étais concentré à tuer des moules. Juste, mon arme principale, c'est pas de l'eau, on est d'accord? Si, si. Si. L'alcool, c'est de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai tenté une attaque auto et voilà, ça m'a pas... Merci, il me reste une barque tout en bas et après je sais pas s'il y a combat ou pas, on va voir. Non, il y en a 6 en tout donc. Ouais, ça va être la 6ème. Ok, bah c'est bon là. Moi je suis sur la dernière, attention, est-ce que je me fais gros, est-ce que je me fais gros, attention, ah ouais, 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 et non, très bien. J'ai fini la quête pourrie. Ouh, quel enfer. Oh mon dieu, faut découvrir toute la map de Suffocar pour faire promenade sur les quais. Genre, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 repères. Ma map est chargée. Combat. Je suis là. Ok. La 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 la. Alors là, je suis en train d'aller rendre la quête. Oui. Puis je vais à gauche. Puis je clique à gauche. Il clique. Et y est. Salut Polochon, lui tente son sac de pêche ainsi que tous les autres objets inutiles que vous avez trouvés. Ouais. Et c'était tout. Ok. Eh bien soit. Je vous attends pour la suite. Ok. Le pauvre. C'est bon. Expéditif là. Vous y arrivez? Fini. Nice. Et là, va falloir rendre la quête. Est-ce qu'on peut passer par en bas pour remonter après? Prends le zap, ça ira plus vite. Okay. Tu peux faire ça aussi, oui. On a reçu 3 moumoules frites. Ouais, t'as vu, c'était nul. Parce que on les apporte à mayonnaise. Non, il faut les amener à Claudine. Ah, ça rapporte un peu d'XP quand même. Eh oui, 127 000. C'est pas de la merde. On va où? On peut faire... Toi, tu t'as lancé la quête promenade sur les quais? Oui, je l'ai lancée, mais... On peut faire celle-là. Hein. Allez, ok. Elle se prend en zap, c'est ça? En 13-26... Je crois qu'il avait pris. C'est ça. Promenade sur les quais. Oui. Vérifie dans ton arbre. Ouais, je l'ai. Eh ben voilà, et tu peux le faire. Je vais me mettre des repères partout. Ah ben là, oui, tu peux y aller. Il y en a 10. Voire 12. Parce que je crois que j'ai dû en valider en marchant. 12, il y en a 12. Ouais, voilà. 12 putains de repères. Il faut marcher partout. Fais donc ta randonnée en commentant ce que tu vois. Alors, je vois des pioux de multiples couleurs. On a du violet, du rose, du rouge, du jaune. J'ai pas encore croisé de bleu, mais il y a du vert aussi. Pourpre.
Et vice versa. Il y a l'auriculaire. Salut Laurie. Il y a un PNJ qui s'appelait Laurie plus loin culaire, donc j'y peux rien. Hein. Mais j'étais pas sur le temps, sur le retour, et du coup, c'est juste quand tu l'as dit, j'ai compris en fait. Ah, il y a le commandant costaud qui me donne une quête. Mais c'est une quête bleue, donc je sais pas. Non, on la fait pas. On la fera que si un succès la demande. Et je remonte parce que j'ai validé un repère. Bienvenue à Sufokia, je serai votre guide. Sur votre droite, vous pouvez observer le monument. Allez, on redit bonjour à l'auriculaire. On prend le bateau mouche. Bleu bleu bzzz. Bleu bleu bzzz. Depuis quand elle était dans un verre d'eau avant de décoller ou... Bleu 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 bzzz. Oh, mais il y a tellement de pichons. Ça sert à quoi de pêcher des pichons? À rien. C'est juste pour monter ton niveau. C'est juste pour monter le métier. Les pichons en eux-mêmes servent à rien. Ils te vendent même pas. Mais ça donne de l'XP. Oui, mais oui. Ça se vend pas, y a pas de recette. C'est juste pour monter le niveau ? Oui, c'est ça. Mais ça donne combien d'XP ? Attends, je vais vérifier. Parce que là, je suis... Ouais, je connaissais pas. Je sais pas si... en passant sur... Alors, il y en a sûrement d'autres dans la ville, mais en 11-24, sur un mur, il y a une affiche Wanted avec une... Je pense que c'est Mario en mode gangsta mexicain, c'est très drôle. Peut-être, oui. Dans... Ça m'a pas donné d'XP. Mais t'es pêcheur niveau combien? Mais je suis pêcheur niveau 101. Ah, mais c'est à bas niveau. Ah, mais j'en sais rien, moi. C'est apparemment, y en a un qui me regarde. Il m'a à l'œil. C'est pour monter plus rapidement les. My Hero? Je savais pas. Non, c'est pas My Hero. C'est quoi? Sinon... Tiens, faut aller dans le truc de pêche. Pouah, pouah, pouah. Ah, il y a une quête à Joël Rébuchon. Oui, je sais pas ce qu'on choisit à manger. Sûrement une pizza. Chien. Il faut ramener des pinces de crabe à Joël Rébuchon. Oui. C'est quoi ça, c'est une banque ou c'est un casino? T'as lancé la quête des étoiles dans l'estomac? Bah ouais. Mais j'ai pas les pinces de crabe, donc on s'en fout un peu. Une pizzolo. Qu'est-ce que tu voudrais Eh bien voilà. Après il y a Madame Potin, mais t'aimes pas ça. Il aime pas la poutine. Non, il aime pas Madame Poutine. Il aime bien la poutine, mais il aime pas trop Madame Poutine. Enfin, de ce que j'ai compris, ou alors il aime pas. C'est Docteur Who. Oui. Docteur Who. Qui? Docteur Who. Moi, je suis fan de cette blague. Je peux continuer 20 ans. Hein. À chaque fois que ton ami me disait, il y a Docteur Who. Docteur qui? Docteur Who. Ah, ok. C'est comme ça qu'il fait, non, ton hibou dans Animal Crossing? Ouais, je crois. Aïe, aïe, aïe. Zababoui, zadobaboua, papapi, de papouette. Zabalipoupa. Attends, mais faut pas lui ramener que du crabe, faut lui ramener du crabe et des poudres d'étoiles de la merdasse. Ah, c'est le meilleur monstre. Non, c'est pas le meilleur monstre du jeu. Mais c'est pas mal. J'aime bien. La place marchande. Ah, vous entendez la musique dehors ou pas? Non. Ah, c'était un mec dans sa voiture. C'était balèze, hein, comme son. C'était... Belle grosse merde encore. Comment on fait pour aller au sanctuaire d'Octopodas? Tu vas en 22-22. Ouais. Tu prends le tunnel. Ok. D'accord, c'est via le tunnel.
Merde, c'était avant. Ah, c'est un peu le bordel, hein. Ah, mais oui, j'y suis allé sur l'autre serveur pour la quête de. Je vais y arriver. Du vaisseau qui s'était écrasé sur sa rage. Ah! Ah. Vous connaissez maintenant une nouvelle aptitude. Ah bon? Ah, t'as fait de la. Oh, elle est où la guitare? Mais non, il a fait l'attitude de peur. Oui. Ah bon? Oui, il y a une attitude guitare qui est cachée, oui. Mais elle est où la guitare? Je veux la guitare! Attends, je guitare. Non, mais nous la guitare! Guitare! Mais non, tu vois bien qu'il s'appelle Gaëtan. Non, il s'appelle guitare! Comment on accède à la place marchande? Il peut. S'il faut. Voilà. Comment il a fait pour avoir peur? Bah, elle est super facile. Écoute, je m'en souviens pas, moi, t'es mignon. Hein. Tu vas en 19-25. C'est le smiley sur la carte. Il y en a plein de smileys. Bah, suffoqué, il y en a plein. Attends, mais où je vais là? Estave Gueffel. Oui, bah, c'est ça, ouais. C'était bon. Oh, putain. Tu veux la guitare? Oui. Tu vas en 10-24. Ok, très bien. Je vais y aller après. Quête mise à jour. Ouais. Est-ce que j'ai tout? Non, putain. Ils sont où les deux autres? Moi, il m'en manque 4, quoi. J'ai fini. Ah, mais attends, ils sont super loin. Oui. Comment... Il faut aller en... Ah, c'est le tunnel, là? Ouais, 22-22 dans le tunnel. Faut prendre la porte à gauche et suivre. Ok. Voilà. Bon, toi, tu m'as dit en 10. Ouais, mais c'est loin, 10-22. 10-24. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, attends, mais j'ai pas appris à avoir peur, donc allez, on marche, on va pas se TP. J'avais même pas vu qu'il y avait un smiley, genre comme je marche depuis tout à l'heure, genre là là là. Ah oui, mais si j'avais commenté, peut-être que j'aurais dit, ah ben sur le... Non, je pense pas. Voilà, exactement. Mais tu peux le faire, toi aussi. Genre, c'est oui, enfin, c'est ton écran qu'on voit, c'est pas le mien. Hein. Mais oui, mais t'aurais pu dire, hé, vous avez récupéré ça. Oui, ben voilà, moi aussi je peux le faire. Le stream le plus intéressant du monde. Attends, mais il me manque quoi là-bas? Découvrir le sanctuaire. Ah, mais je l'ai pas fait au final. Putain, mais c'est pas vrai. Je suis allé dans le tunnel pour rien, quoi. Je suis perdu, moi, dans ce tunnel à la con. Bon, je vais prendre avoir peur. Ah oui, c'est vrai qu'elle est juste dans une baraque en plus, genre salut, peur. Voilà, merci. Bon, je vais faire le reste et puis je reviendrai au temple. Alors, là. Faut pas descendre plus, hein, c'est ça? Parce que là, j'ai un ascenseur qui me dit d'aller vers les salles des embruns. Non, n'y va pas. Okay. Ça, c'est très dur, ça. Ton espérance de vie sera très limitée. Ah ouais, parce que déjà, un, oui, ça agresse. Attends, comment on remonte? Et deux, c'est l'enfer. Le chemin vers le 14, c'est un enfer. Pourquoi on peut déverrouiller la salle des embruns? J'ai cliqué. Oh putain! Il va mourir. Je cherche à remonter, en fait. Eh bien, reclique sur l'ascenseur. Ah oui, attends, je suis dans l'ascenseur là ou pas? J'en sais rien. Oui, alors oui et non. Je suis à travers l'ascenseur. D'accord. Ah à non, travers... c'est la machine là, d'accord. Oh là. À travers l'ascenseur. Bon. Il me restera que le sanctuaire d'Octopodas. Le décor de, au niveau ascenseur, c'était assez steampunk, assez Jules Verne. Ah, mais le, les steamers, c'est ça. T'as une classe qui s'appelle les steamers, c'est pour le steampunk. D'accord. Voilà.
si je vais là, ça fait quoi? Oh non, il va mourir. Je suis en 10-24. C'était pas là, hein, c'est ça? Si, si, c'est là. C'est là. Et tu après? Oui. Bien derrière la maison. Ah, c'est derrière. Attends si j'y arrive. Voilà. Et tu cliques sur la guitare. Oui, ah, la guitare. À part un phénix, y'a rien. Ok. C'est la mandoline. Bon, je retourne au temple. je vais essayer de passer par là. Attends. Tu retournes au sanctuaire ? On retourne au sanctuaire. Justement, comment est-ce qu'on accède à la 26-22, donc découvrir la carte sanctuaire d'Octopodas ? Ben, je vais écouter parce que je sais pas. Est-ce que tu es en 22-19 ? Je suis en 22-22. Donc rentre dans le tunnel. Je suis dans le tunnel. Prends la porte en haut à gauche. Oui. Je continue. Tu suis le couloir. Oui. Et une fois que tu arrives au bout, tu as une sortie en bas à gauche. Ah putain, c'était ça. Oui. Et il y a un sous-marin. Donc là, tu arrives dehors, tu cliques sur le sous-marin. Putain, c'était ça. Ah. Je suis allé devant, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est là, c'est pas là. Ah. Et le sous-marin là, on a droit à... pizza. Mais c'est quoi ça, Marcello? On a déjà mangé? Celui où on avait aimé. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'avais pris, moi? Ah, chèvre miel. Ouais. Ah, le sous-marin, il peut nous ramener à Magna. À Magna. Oui. Ils font chier. D'accord. Mais il reste à suffoquer. Hein. Oui, oui. Oui, je sais, mais... Ah, attends, maintenant, la quête, on l'a en rend. Déjà. Faut bien la rendre, la quête, non? Non, 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 une fois que t'as tout visité, ça se valide automatiquement. Mmh. Ok, mmh. D'accord. Bah oui. Je suis aux apps. Alors, tu parlais de guitare tout à l'heure en 10-24? 10-24, oui. Yes, j'ai retenu. Alors, 24, c'est pas ici. 10, c'est deux de maps côté. À gauche de la taverne. Deux maps à gauche de la taverne, ok. Alors que je vois le PNJ pétrificante. Je vais peut-être aller un peu trop. Et on va faire quelques quêtes après. Après, on peut faire. Et Thomas, il en est où? 356. Oh putain. Tu vas venir pour un quart d'heure, quoi. On va finir le donjon et on va se quitter. Ouais! Grosse après-midi pour toi. Alors, je suis deux maps à gauche de la taverne. Ah, tu me vois? Voilà. Tu cliques sur le poster. Derrière la maison. Le poster. Non, descends un peu plus bas. C'est bon? Je suis rentré. Ouais, et normalement, tu peux cliquer sur une guitare. Et là, tu t'éclates. Ah, mais non, là, tu peux pas t'éclater. Parce qu'on est toujours en mode créature chiant, là. Tu l'as vu? C'est quoi ce jeu? C'est Dofus. Tu la vois, ouais. La guitare? Elle est là. Appuie sur Y. Elle est là. Ah, là. Oh là, oui, d'accord. Ah, oui, on peut la mandoline, si tu préfères. Ok. Et non, voilà. Moi, j'étais là. J'étais sur l'espèce de truc sur le mur, là... accroché entre les deux couteaux, là, tu vois le truc rouge? Ah. Ouais. Bah, ça ressemble à une guitare. Très rock'n'roll, ta guitare. Ah bah oui, je suis pas du rock de 8 ans, hein. Oula, oula, oula. Kenji Girac, excuse-moi. Oula, oula, oula. Ils vont te retrouver, ils vont te manger. À la sauce hérisson. Ok. Il y a un truc à regarder dans le rivage? Non, non, non. Ah, ok. Et maintenant?
T'as lancé la quête des étoiles dans l'estomac, tu veux qu'on la fasse? Bah ouais, mais il faut des poutres d'étoiles et... pinces de crabe. On me dit pas que c'est une recette qui s'arrête. Les pinces de crabe, on vient de les avoir en finissant la quête. Et là, c'est droppé sur des étoiles. Et il faut battre des étoiles de la merdasse, oui. Taux d'obtention, 30%. Ouais. Il en faut 10. On va faire autre chose. On va faire autre chose. On peut faire une chine larve. Qu'est-ce que j'ai à Sufokia de lancer, moi? Vol au-dessus de... Ah, mais non, ça, on peut pas. Faut amener des ailes intactes de Scarafeuille. AI Carmélite. Les étoiles dans l'estomac. Moins on en a, plus on l'étale. Il faut de la gelée. De la confiture, pardon, il faut. Confiture bleue, confiture fraise, confiture menthe. File pas mal d'XP cette quête, hein. 400 000, putain. Pour 30 confiotes. C'est la confiote. Confipote. Confipote. Et tu perds un pote. Quand tes potes sont confinés. C'est des confipotes. Ben, je ne sais pas ce qu'on peut lancer. Venez en 16-25. Alors. Oh, mais j'y suis! Là, c'est alors. Oh, mais j'y suis! À tes souhaits. J'ai réussi à me muter avant. Mais alors j'ai tendu la main vers le casque en mode non, non. Jeter le casque par la fenêtre. Mais comment tu es là? Je suis là. Ouais, on est ensemble. Toujours le même qu'on entend, c'est chiant. Hein. Ouais, oui, Majiro. Mais non. Okay. Venez à l'intérieur. Avec un marqueur. Parlez à Jemas Cook. Oh. Je parle à Jemas Cook. Choisir de traquer les scarafeuilles. Opter pour la recherche de perles. La recherche de perles, on va faire. Ok. Allez, ratissez. Et on va les au rivage. Donc, faut aller sur le rivage du Fouquin. Oui. Rivage. Eric, tu es perdu, mais je suis perdu, c'est incroyable quoi. C'est une fois à gauche et toujours en haut après Guillaume. Mais j'ai pris le Havre sac. Il a pris le Havre sac. Tu peux faire ça. J'ai opté pour la solution difficile. Non, c'est pas vrai, j'ai juste suivi. Je t'ai vu partir, je fais oula, c'est pas là. Aïe aïe aïe. Mais quel con ce gosse! Si votre enfant est con! Appelez-le Kevin. Non. J'entends autre chose. Mais je sais pas s'il est là. Thomas? Oui? Si votre enfant est con. Faites-en un balai? Tiens-toi droit! Pourquoi ça marche pas? Parce que. Salut. Attends, Guillaume. Attends. 201. Attends, bouge pas. Attends. Mais je bouge pas. Hein. Attends. Il y aura le retour son sur mon. Ouais, je regarde ton écran parce que moi je suis en miniature. Ah merde. Ouais, d'accord. Mais il y a du son aussi. Tant fort la guitare. Écoute, ça c'est original. Ah putain, le téléphone qui fait du bruit. Ah, d'accord. Du. J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, la file d'attente. Ah ouais? Tant mieux. Parce que c'est un peu long. Il faut attaquer qui?
Mais faut attaquer personne, non. Les coquillages, là, ils sont... On peut cliquer dessus, mais moi, ça marche pas. Moi non plus, ça marche pas. On peut cliquer sur des coquillages. Coquillages et crustacés. Bah non, on peut pas cliquer sur ce coquillage, t'es bête ou quoi? Quoi? On peut pas y cliquer sur ce coquillage. Mais normalement, la quête nous permet de cliquer dessus. Peut-être pas sur celui-là. Ah, il y en a un. Ah, mais peut-être qu'ils ont été ramassés. Eh ben, peut-être là. Aussi, oui. Là, il y en a un, tu le vois? Ah oui, il est caché derrière le truc. Voilà. Volcan. Par contre, c'est un par personne. Voilà. Oh putain, l'enfer. C'est pour ça que j'en ai ramassé un tout seul. Et on est... C'est pas obligé qu'on on ramasse une perle à chaque coquillage. Ah, elle est bien, cette quête. De quête que t'as... Moi, oui. Mais c'est parce qu'il y a tout le monde qui veut et ramener ci, ramener ça, et ramener ci, ramener ça, et ramener ci, ramener ça. Et ramener ci, et ramener ça. Et ramener ça. Et Vanesso. Mais Vanesso. Oh putain, c'est drôle. Quand je me serais reconnecté, je serais dans le donjon. Oui. Oui. Et on pourra dans pas le donjon. Si on pourra. Tu iras sur le Renet. Sur le Renet. Arrêtez de me suivre. La zone, elle est plutôt droite. C'est mon désolé. Coquillage. Une ortie. Elle a été prise. Oui. Je suis très déçu. Oui. Oui. Ah, il y a deux coquillages. Oh, il y a des coquillages. Oh, il y en a trois, mais Guillaume, il a pas vu. Vite, vite, vite. D'accord. Moi, j'appuie sur Y. Il met 50 ans à ouvrir les coquillages, mon personnage. Pardon ? Mon personnage met 50 ans à ouvrir les coquillages. Ah, d'accord, nouvelle quête, collier de perles en vinaigrette. Mais c'est celle qu'on est en train de faire. Je sais, mais j'avais pas vu qu'elle s'appelait comme ça. Collier de perles en vinaigrette. Pourquoi en vinaigrette? Il est con, quoi, pour qu'il écrit son prénom. Yuya. Mais il y en avait un. Je sais, mais il y en a un autre sur l'autre carte. Je te l'avais laissé et tout. Mais ouais, mais je te laisse le prendre, je suis sympa. Non. C'est mon coquillage. Faut les ouvrir les coquillages ou pas au fait? Parce que moi je... Non. Non, okay. Je sais pas comment ça fonctionne en vrai. C'est je chope une espèce de ressource, on dirait du nacre. Oui mais ça on s'en fout, il faut les perles en fait. Mon dieu que c'est nul le pichon hut compète. C'est de la nacre. Je suis 111ème. Ouais il arrive. Ok. J'avais que 3 perles. C'est ça, c'est perles de sable. Oui, c'est ça. Ouais, on a eu 3. J'en ai 5. J'ai eu de la chance. Zéro. Il y en a un là derrière le. Il y en avait un derrière l'érable. Au-dessus. J'ai pas vu. C'est pas grave. Ouais, celui-là, il était bien caché. Je te l'accorde. T'as vu, il y a des buissons de lin-lin. Des buissons de lin-lin. Quoi? Ouais, c'est du lin. Le Congolais mange le banana. Lin, lin. La 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 la. Oh putain, mais... C'est pas possible. Oui, c'est possible avec la carte qui... Mais non. Plot twist. Mais non. C'est pas possible. Non, pas grave. Ouh la blala. Non. Mon coquillage. Et ma baguette. Et mon pâté. Et mon pâté. 76. Oh putain. Chouette. On n'aura pas terminé la quête qui sera connectée. C'est pas grave. On va pas se plaindre.
Regarde, ouais, c'est déjà joué. Hein. J'ai les 10, je vais au donjon. Ok. Dans mon donjon. Regarde, il y a des gelées. Oui, elles sont rigolotes. Est-ce qu'il y a gel anal le huileux? Non, il n'y a pas gel anal le huileux. Ah, c'est drôle. Peggy 18. Ah, je sais pas, Peggy 18 ou Peggy 16? Je sais pas, 18. Il me manque une perle. J'aime beaucoup comment les gelées se déplacent. Ouais, t'as vu, enfin... t'es pas obligé d'accepter, finis ta quête avant. Accepter la téléportation. Moi, c'est bon, j'en ai 10. Ok, là, il y a du coquillage. Mais ils sont pas sur Animal Crossing, les gens, là. J'ai pas compris. Pas sur Animal Crossing, les gens. Non, parce qu'ils ont envie de jouer à un vrai jeu. Popo. Non, je déconne. Je rigole. Et pourtant, bah non, on a en fin de mois. Ils se connecteront le 1er mai pour avoir les poissons de mai. Ouais. Je sais pas si t'y croyais ou pas en ce que je disais. Genre, ouais. Parce qu'au moins, j'avais l'impression que c'était ça. Salut, mon pote. Il me tarde de voir la coronasse, parce que ça devrait être une connasse du confinement, et il me tarde de voir. Si faut, ça a l'air bien. Si faut, c'est vraiment une grosse connasse. C'est une grosse connasse. Ah ouais? Merde. Ouais. Mais bizarrement, ça m'a pas surpris, en fait. Généralement, les gens cons, ça t'étonne plus à partir d'un certain âge. Juste l'histoire, je l'ai trouvé très prévisible. D'accord. Bon, la gelée rouge m'a fait peur, putain. Elle a sauté, elle a fait des pics. Et elle a fait oui. Moi, je les aime bien, les gelées. J'avais un deck gelé sur Cross Maga. Quelle merde! C'était trop 15. Dur à jouer. Ah, il est 15e. J'ai que 8. Je cherche encore. 9. 8. 3. 8. Allez, on enlève les quêtes de Suffokia. 7. Oh, ça... 1. Et c'est bien ce que je disais, ça t'a pris une heure. Hein. Eh ben. Moi j'avais dit 3 quarts d'heure. Vous me faites jamais confiance, hein, c'est dingue. Mais, non, à la base t'avais dit 1h30 quand même. Bah ça fait presque 1h30, regarde, il est 43. Mais j'y vais quoi à 40 ça, hein. Ça fait plus d'une heure. Ah merde. Oui. Je pense qu'il avait déconnecté plus tôt que ça. Vous êtes où? On n'est pas dans le donjon. Si, moi je suis à la salle du Blob Renet Royal. C'est bon, Jake? Il me manque un. Renet alors? Tu le feras plus tard, Jake. Blob Renet Royal. Salut! Voilà, ne pas finir à côté d'un ennemi. Et chacun son monstre. Mais il faut le faire sur tous. Ouais, putain, oui, il faut le faire sur les 4. Oui, bah oui. C'est pour ça que sur les 2, on a testé, mais on n'y est pas arrivé. Tu parles à Bibi Blop et tu fais reprendre le donjon où tu l'as quitté. Oui. Et ensuite, tu reparles à Bibi Blop et tu fais la salle du Blop Renet. Ok. Le Renet. Alors, pour chacun son monstre, je vous propose que je reprenne le boss. Salut Jake, c'est les autres. Ben voilà, encore une fois, le privilégié. C'est Valis, là. Je rigole. Bonsoir à toi.
Tu arrives sur la fin de stream. On va faire le donjon et... Il reste un quart d'heure, là. On va arrêter. Pour petit topo... Oui. Chacun son monstre et ne pas finir à côté d'un ennemi. Je me propose pour taper dans le Renet. Ok. Donc il reste le Blob Renet, le Blob Pignon et le Tronc Coco, sachant que on avait donné le Blob Pignon à Thomas, toi le Tronco, et donc Guillaume, tu vas faire le Blob Renet. Ok. Attends. C'est mieux que Guillaume fasse le Tronco. Tu es sûr? Bah il a des faiblesses haut. Ah ok, bon ben go. Bon, je fais... Est-ce que vous pouvez juste rappeler les conditions histoire que ça rentre dans ma tête? Ouais, pas de soucis. Chacun tue son monstre et c'est tout. Ok, d'accord. Et ne pas finir à côté d'un ennemi. Ennemi, pas finir ouais. Ennemi, ok. Ok. Thomas il prend quoi déjà? Thomas il va prendre le pignon. Donc je me prends le blob. Tu prends le blob Renet et Guillaume il prend le tronc au blob. Okay. Guillaume tu taperas que l'arbre quoi. Ouais. Je regarde l'arbre. Allez c'est parti. Allez. Taper sur les bambous il est numéro 1. J'aime vraiment pas cette map, hein, c'est... Ah oh, putain, c'est vrai que c'est ça. Elle est vraiment chiant, toi. Oui, c'est ça. Attends, l'arbre, il est là. Ok. Je vais me mettre là, alors. Ok. Et tu ne taperas que dans l'arbre. C'est... Attends, ils font des invisibles? Oui. Oui. Oh. Oui. Et en plus, il y en aura deux invisibles, là. Alors... Mais c'est pas grave, t'inquiète. On gère. La disposition est supra relou. Ouais. Le boss, faut que j'aille le chercher, faut que je traverse tous les invisibles, ça va être la merde. Oh. Ben, fais le tour par en dessous, non? Ben, lui, il va pas faire le tour par en dessous. C'est le problème. Non, ils vont tous se rapprocher de nous, en fait, c'est le problème. Il m'a fait mal de là-bas? Le Blob Pignon, ouais. Oh. Alors, attends. Je vais... Tu peux le mettre à côté de moi, je pense. Là. Tu peux commencer à te buffer, hein, si tu veux. Roue de la fortune, c'est ça? Ouais, roue de la fortune. Et n'oublie pas que toi, c'est le tronc au blob. Hein. Oui, mais ça, j'ai compris, c'est le bambou. Ouais, je préfère le dire, on sait jamais. Ouais, bah rien d'autre, hein, du coup. Allez, là, c'est le bordel, par contre. Bon, après, j'ai la portée pour le toucher, mais... Ok, j'allume le lit. D'accord. Elle allume le lit. Oui. D'accord. Putain. Eh, c'est l'enfer, j'en ai marre. J'ai découvert un truc avec mes informaux. Qu'est-ce que t'as découvert ? Ça. Ah ! Il y a un truc devant. Il y a un biblop. Merde ! Bah je vais le bloquer, tant pis. Allez hop. J'ai découvert que je pouvais faire un PM. Non, que je pouvais au premier tour invoquer mon unité 3 en fait. Waouh. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive. Comment je touche moi là-bas ? Je ne sais pas. Thomas il est content, il va devoir revenir de l'autre côté. Par contre, je sais pas où est le biblop, ça me dit ça. Ben, il y en a un devant mon gros tofu. Et l'autre, je sais pas.
Donc s'il faut, on va le chier juste parce qu'il y avait un connard invisible à côté de moi. Non, je veux pas, puisqu'il vient de sortir de l'état. Ah, d'accord. Par contre, ce qui me dérange. Oh putain. Refais le tour, Thomas. C'est très drôle. Qu'est-ce que tu fais, Jake? Je sais pas. Ah mais non, je pensais qu'à... Je recule. Vas-y. On va tous reculer. On marche, on recule, on a moins de chances de terminer à côté du bibelot. Putain, hein. Il m'a bousillé ma ligne de vue, lui. Il y en a un à côté de nous, non? Ah mais on va pas le toucher. Il est pas loin de vous, ouais. Attends, comment... C'est comme ça? Ici. Je suis pas sûr, hein. Mais j'ai vu une fumée... Ouais, ouais. Il bouge potentiellement après. Dites bonjour à ma ménagerie. Blop. Je demande au monteur de mettre une tête de Stephen Bern sur un bloc. C'est quel bloc? Ah! Bah, c'est Draken. Bah, il y a le biblop derrière. Juste derrière. Merde. Où ça? Juste derrière le. Bah, lui. Mais où il va? Mais où il va? C'est rien qui va dans ce game là. Putain, je suis ta clé, c'est ça? C'est bon, il est pas taclé. Non, t'es pas taclé. Ah. Je vais lui faire perdre plein de choses. Putain, je tue pas. Dommage. Prochain tour. Et le tronco, il va venir à Babelwed les. Il va t'empêcher que tu le touches. Ouais, voilà. Putain. Alors. Bon, je vais où? Il a toujours rien fait depuis le début. Bah, moi non plus, au final, je l'ai toujours pas tapé. Hein. Oh putain. C'est pas grave, quand on fera le ménage. Bah, tu peux peut-être aller là, toi. Oui, et s'il y a le biblop à côté? Bah, c'est pas grave, hein. Bah, tant pis. De toute façon, on sait pas, hein. C'est le problème. Ah, bah voilà. Bah, putain, t'es sérieux? Oh. Bah, en fait, il me manquait. Il me restait genre 4 secondes pour bouger. J'ai cliqué, ça a bugué. Ça me met impossible. Jack, t'étais taclé. Mais oui, mais il était obligé. Tu peux rien faire d'autre. Faire libé. Bah, libération. Ah, mais non, mais maintenant on peut finir à côté d'un ennemi parce qu'il a fait chier le zone. Mais bon, on doit pas taper les autres. Putain. Ah, le petit bluff quand il est taclé, c'est une expérience. Hein, c'est. Bon, je vais faire ça. Cette prise là dans le jeu. Moins 100 PM. Oh, je suis con. J'ai oublié de taper avant. Bon, c'est pas grave. Ça devient gros. Il y avait un moustique. Il est plus gros que le boss, quoi. Le bruit du moustique était insupportable. Hein. Merde. La grenouille, elle est taclée. Ah, c'était vraiment un tour de merde, là. Genre, je peux même pas le toucher avec lui. Aïe, aïe, aïe. Bon. Non, c'est tout. Ah. Ouais, c'est nous. Flop. Oh là là. Il casse les couilles. Est-ce que je pourrais toucher le blopignon un jour? Un jour... Le blopignon... C'est bon, moi j'ai tué le mien. Il y a des trucs qui crient dans la chambre. Et c'est pas cool, hein. C'est pas moi. Je sais pas ce que c'est. Obama self. Si je fais libé, là... Ah bah non. Si, tu peux pas taclé.
Non, toi, bon. T'as pas ta clé, t'en fous. Tu peux finir à côté d'un ennemi, donc ça va. Mais tu dois pas toucher quoi les autres. Le problème, c'est que Guillaume, il va être taclé par le Renette. Blob de Renette et blob d'appui. Et comme mon gros tofu, il cache le biblob griotte, donc il peut toujours pas toucher le tronc au blob. Je peux aller à côté, hein, c'est ça? Oui, tu peux finir à côté d'un ennemi maintenant. Mais là, de toute façon, tu pourras plus, tu peux plus avancer. Oh. Mais pourquoi je pouvais plus? Je comprends pas. Parce que t'es taclé. Mais en quoi? Je me suis juste positionné là. Mais oui, mais t'es taclé. Oui, il t'empêche de bouger. Ennemi, l'ennemi t'empêche de bouger. Il te tacle. Pourquoi? Ça passe ou ça passe pas là? Ça passe. Putain, si t'as vraiment fait ça et que ça fait planter le châle, ah, je suis tellement déçu. On a fait tout ça pour rien. Mais ça lui a pas fait de dégâts. Si. Mais si, les dégâts de poussée. Ah t'as bon pas vu qu'il s'est pris des dégâts quand il a cogné contre le mur? Non, j'ai pas vu. Putain, il pourra jamais jouer cette connasse. Mais pourquoi c'est pas écrit sur le sort? Parce que ça dépend de son utilisation. Parce que de base, tu fais pas de dégâts quand tu repousses quelqu'un, mais quand le monstre que tu repousses se cogne contre un mur, ça lui fait des dégâts de pousser. Ça devrait être de préciser ça. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on joue avec les dégâts de pousser. Ne pense à quoi plus. Bon. C'est bon, tu peux taper. Ah. Non, oh, là, en plus, t'as apporté pour faire un bluff sur le tronc, quoi. Sauf si le champignon se met... Non, c'est bon. S'il se mettait devant, c'était de la merde. Est-ce que je peux avancer? Tu peux maintenant. Oui. Encore une fois. T'as fait ta clé. Voilà. Et comme t'as déjà joué. C'est pas très grave. Ouais. La grenouille touche. Sport, allez. Blop. 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 Purée. Oui, j'en fais des dégâts. Ouf. Bon, je vais éloigner toutes mes invoques. Voilà, je me suis pris 43 parce que j'étais censé reculer, mais comme il y avait un mur derrière moi, je me suis pris des dégâts. C'est d'ailleurs un peu con d'ailleurs que tu pousses quelqu'un que contre un mur déjà. Genre, c'est-à-dire que qu'il fasse en fait 1 PM de déplacement, je comprends. Ouais. Mais qui... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment l'expliquer. C'est si tu pousses quelqu'un, en fait, il faudrait qu'il y ait un PM de décalage entre lui et le mur pour prendre des dégâts de poussée. Si tu pousses quelqu'un qui est déjà contre un mur, c'est un peu con. Ah! C'est comme si tu t'appuies contre le mur. Ouais, ouais voilà. Je trouve ça un peu con. Attention, allez, attention. Tue-le. On va voir. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Critique. Tu peux faire le machin, si tu veux. Ah, niveau 71. Poum, 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 poum. Exactement, poum, 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 poum. Alors, donjon. Oui, c'est bon. C'est bon, ça a passé?
Ouais, ça a fait duel. On a encore eu de la chance. Parce que c'était peut-être pas un dégât direct, c'était un dégât indirect, je sais pas. Ouais. Bon, on va s'arrêter là, il est 20h pile en plus. C'est chouette, hein. Ouais, c'est bien. Donc là, on peut quitter le donjon. On sort du donjon, ouais. Et on peut aller voir... Ouais, allez, on finit avec Alendex. Alendex qui est à Makna. Oui, oui. Au village d'Amakna. Ouais. Alors, le village. Et au moins, on pourra savoir notre prochain programme. Parce qu'Alendex va nous donner un nouveau donjon. Non, je veux pas savoir. Je veux cliquer sur Alendex. Et niveau spécialisation, oui. Ça nous a pas servi à grand chose aujourd'hui là. Ben quoi parce que le quoi j'ai pas compris. Eh ben on s'est spécialisé. Oui. Oui. Ça a servi à quoi? À nous donner 400 000 d'XP gratos. D'accord. Vu que la quête était pas très difficile. L'index. C'est un donjon que t'aimes bien. Attends, je veux savoir, j'y suis presque. Ah. Le dessert. Je vais aller avant toi. Attention. Pour te spoil. Non, j'y suis. Merde, j'ai mis prendre. Merde, vite. Ah, le caniboule. On repart faire le caniboule, c'est débile. Mais non, c'est parce que c'était avant que je fasse mon tableau. Ah, bon. Tant pis. On avait lancé les quêtes de Moon. Eh ben, là, j'allais dire la semaine prochaine, quand on rejoue, on pourra faire le Shin Larve et le Caniboule et Bill.